Bonjour. Bonjour à tout le monde. Partagez-moi le live. Il y a les gens qui me cherchent. Apparemment, le message ne passe pas. Je vous ai dit, si vous ne voulez pas que je me pende sur votre cou, c'est-à-dire que je m'accroche sur vous comme ça, là, je meurs. Allez, je suis tensionné. Hein. Je suis tensionné. Énervé comme ce n'est pas permis. Parce que les gens se croient permis à tout. Moi, je vous ai dit, je ne veux plus. Je ne veux plus entendre quand vous faites vos bêtises là. Quand vous faites vos bêtises là, vous laissez ma tribu en dehors de ça. Et pour ça, je veux m'accrocher sur vous un à un. Je vous le dis tous les jours. Tous les jours, je vous le dis. Vous n'aviez pas le droit, personne n'a le droit de juger ma culture ou de juger ma tribu. Personne n'a le droit de juger ma culture ou ma tribu. Je vous le dis tous les jours. Donc, ce que la salope de Karine est en train de faire là, et comme je commence là, je ne dois pas la laisser respirer. Karine se prend pour qui? Qui est Karine dans la République du Cameroun? Qui est-elle? Qui se lève, elle ne sait même pas là où elle sort. C'est-à-dire qu'elle-même, elle ne connaît pas sa culture. Partagez-moi le live là. Bipez-moi Karine. Bipez-moi Karine Richaud. Merde. Elle se prend pour qui là? Elle se prend pour qui? Karine Richaud se prend pour qui? Tu viens parler de la culture. Aujourd'hui, tu veux tourner ta langue. On ne parle pas du Covid. Ce n'est pas ce que tu as dit, Karine. Karine, tu insultes. Tu as insulté ma tribu. Je vous ai dit, bipez-moi Karine Richaud. C'est avec elle que je bagarre aujourd'hui. Gardez-moi des imbéciles comme ça. Vous savez le toupé? Mais si vous n'aviez pas de culture, ça n'engage que vous. Mais je vous ai toujours dit, chacun ne se définit que par sa culture.
Chacun ne se définit que de par sa culture. Donc, Karine Richaud, si tu n'as pas, si tu n'es pas attaché à ta culture, ça n'engage que toi. Karine Richaud, tu es égarée, ça n'engage que toi. Ce n'est pas de ma faute, Karine Richaud, si tu ne connais pas ta culture. On ne parle pas d'une affaire de Covid. Ce n'est pas ce que tu as dit. Tu dis que mes chefs dansent le ventre dehors. Et c'est veineux. À quoi ça te regarde? À quoi ça te regarde que nos notables dansent le ventre dehors? C'est quoi ton problème? C'est-à-dire que pendant toute cette année, tu as passé le temps à utiliser le ndop de tout ça, des bamileki, pour faire tes bijoux et vendre. Et aujourd'hui, tu trouves que c'est sale. Une imbécile. Tu te prends pour qui là? Tu te prends pour qui? Si tu es perdu, c'est ton problème. Si tu es égaré, c'est ton problème. C'est ton problème. Karine Richaud, tu n'as pas des injonctions à nous donner. Merde. Vous faites le combat, c'est ça le combat? C'est ça le combat? Maintenant, le combat est viré sur la culture des gens. Vous aviez viré le combat sur la culture des gens. C'est-à-dire que Karine Richaud, elle veut jouer à la grande. Si tu veux donner des leçons, madame, tu donnes les leçons chez toi. Tu nous laisses les bamileke tranquilles. Tu nous laisses tranquilles. On n'a pas besoin de toi, de nous dire ce qu'on va faire de notre culture. Tu n'es pas bien placé pour comprendre ce que c'est qu'une culture. L'autre jour, tout ce que tu as dit, nous avions compris. Une salade comme ça, tu te prends pour qui? Karine Richaud, tu te prends pour qui? Une égarée comme toi là. Tu es attaché à quoi au Cameroun? Tu es attaché à quoi au Cameroun? Tu connais ce que c'est que la culture? Tu sais ce que c'est que respecter la culture des gens? Tu ne connais pas. Si aujourd'hui, la médiocre de Karine Richaud, tu trouves que mon chef danse avec le ventre dehors et que c'est veineux, je vous ai dit, bipez-moi Karine Richaud. Bipez-moi Karine Richaud. Elle se prend pour qui? Elle va dire au bamileke comment se comporter? Elle va nous dire comment on va se comporter? Notre culture a quoi à faire avec le combat? Qu'est-ce que notre culture a à faire avec le combat? Je demande à Karine Richaud. Aujourd'hui, tu sors, tu commences à manger tes lèvres pour dire que si ça arrive, machin, on ne parle pas du Covid. Tu as compris? Imbécile. Ce n'est pas parce que tu fais tes choses là, on te regarde, on a pitié, on te laisse faire. Tu es qui pour venir parler de ma culture? Aujourd'hui, tu veux tourner la langue. Qui es-tu? Qui es-tu? Une négarée comme ça. Je vous ai dit, bipez-moi Karine Richaud. Si vous voulez faire le combat, laissez la tribu des gens en dehors de votre sale bêtise là. Laissez ma tribu en dehors de votre combat, imbécile. Tu as l'audace de venir nous dire que mon chef danse avec le ventre dehors, c'est veineux. Aujourd'hui, tu viens tout. Je vous ai dit, bipez-moi Karine Richaud. Mais c'est pas possible.
Mais vous avez vu les bamilekés comme, c'est-à-dire que votre couscous que vous allez mettre dans la marmite, vous tournez, après vous faites la sauce gombo, vous avalez. C'est comme ça que vous aviez vu les bamilekés. Il n'y a pas de cela quelque temps. Tu vendais les bijoux avec ces tissus que aujourd'hui tu déclares que c'est sale. Il y a quelque temps, Karine Richaud, c'est avec nos tissus que tu faisais tes bijoux de merde que tu vendais aux gens. Pourquoi tu n'es pas allé dans ton village chercher ce qui sort de ton village pour faire les bijoux et vendre, Karine Richaud? Pourquoi il a fallu prendre ce qui sort de l'Ouest pour faire tes bijoux et vendre? Et aujourd'hui, tu viens te justifier à la con? Tu crois que nous sommes des enfants? Tu crois qu'on n'est pas sage? Tu crois qu'on n'a pas d'intelligence? Parce que tu parles français? Aujourd'hui, tu viens te justifier? Quand vous faites votre combat, laissez les tribus des gens tranquilles. Je n'ai jamais dit que ta tribu, je ne parle pas de la tribu des gens, Karine Richaud. Tu es allé trop loin. Et aujourd'hui, pour te laver, tu dis machin truc, tu ouvres tes gros yeux comme les yeux de la grenouille là. Regardez-moi une comme ça. Si on comptait les femmes, on peut te compter. Karine Richaud, si on comptait les femmes, on peut te compter toi là. On peut te compter. Tu es qui? Je vous ai dit, hein. Bipez-moi Karine Richaud. Qu'elle vient sortir ses yeux de la grenouille là, ici. Les éduquer mal élevés comme ça là. C'est-à-dire que quand vous quittez le Cameroun, c'est-à-dire que quand tu quittais le Cameroun, Karine Richaud, tu as pris ton cordon ombilical, tu as mis dans le verre, tu es venu à Paris avec. Le mien, je l'ai laissé au village. Karine Richaud, quand je venais en Europe, j'ai laissé mon cordon ombilical là-bas sous le bananier, là où ma mère a planté, ça fait 50 ans, c'est toujours là. Le bananier sort, on coupe, l'autre pousse, on coupe, l'autre pousse, on coupe, c'est toujours là depuis 50 ans, merde! C'est toujours là depuis 50 ans. Tu vas venir nous dire comment on va pratiquer notre culture? Tu es malade dans ta tête? Tu es malade dans ta tête? Jusqu'à tu dis, si on donne votre culture là à un blanc, il va la dépoussiérer. Voilà ce que Karine Richaud a dit. Karine Richaud a dit, si on donne votre culture là à un blanc, il va la dépoussiérer. C'est pour dire que notre culture est sale. Une sauvageonne comme ça. Tu connais ta culture? Karine Richaud, tu connais ta culture? Tu es une égarée. Tu es perdue. Tu n'as pas de sens. C'est-à-dire que tu ne t'attaches à rien. Voilà pourquoi tu as de la haine. Voilà pourquoi tu as une haine en toi. Et je vous ai toujours dit, quelle qu'en soit la durée de la nuit, la journée ne va qu'apparaître. Et voilà ça, one by one. Voilà ça, one by one. Tu viens t'asseoir avec ta dent cassée. Tu appelles mes chefs, les gens au gros ventre, imbécile. Est-ce que tu te regardes même dans le miroir? Karine Richaud, est-ce que tu te regardes dans le miroir? Est-ce que tu te regardes? Toi qui es ma cadette de loin là, est-ce que tu te regardes? Tu vaux quoi auprès d'une bamiléquée comme moi là? Tu vaux quoi? Rien! Tu n'as aucune culture à laquelle tu t'attaches. Tu restes à Mondovision, tu dis, je m'en fous du Cameroun. Moi, si je ne peux jamais dire que je m'en fous du Cameroun. Je ne peux jamais dire que je m'en fous du Cameroun.
Oh, je ne peux pas aller au Cameroun. Je m'en fous du Cameroun. Parce que tu n'as rien qui t'attache au Cameroun. Rien. Tu n'as rien qui t'attache au Cameroun. Des tribalistes cachés comme ça. Est-ce que tu as envie de mélanger ma tribu à tes bêtises? Est-ce que tu as envie de... Tu as besoin de... Je vous ai dit, faites votre sale combat là. Vous laissez ma tribu en dehors de ça. Parce que notre culture n'a rien à voir avec un combat. Si vous combattez, aujourd'hui tu restes à Mondovision, tu dis que nos chefs ont les gros ventres et tous les jours tu es là, mon Maxou, mon Maxou, mon Maxou, mon Maxou. Tu as vu le ventre de Maxou? Maxou c'est un bon bantou, bien nourri. C'est-à-dire que si tu veux que Max Seigneur y voit là, il devient sec, il faut le mettre dans l'acide. Et même jusque-là, il ne va pas maigrir. Il ne va pas maigrir. Tu as compris? Une imbécile comme ça. Et ce qui m'énerve, tu parles, il y a les gens qui sont là, ils t'applaudissent comme si c'était... Et tu sors avec les yeux de la grenouille. Tu veux influencer les qui? Tu as parlé de notre culture, madame. Tu as parlé de notre culture. Tu aurais bien fait de sortir et dire... Si mes propos vous ont offensé, vraiment je m'excuse mes frères. Tu aurais dû sortir et dire ça. Nous ne sommes pas là pour juger les cultures des gens. Ne jugez pas avec vos yeux ce que d'autres font. Parce que ce que je ressens, ce n'est pas ce que tu ressens. Ce n'est pas ce que tu ressens. Aujourd'hui, tu appelles mes chefs les gros ventres. On danse avec les gros ventres dehors. Ça te fait quoi? Ça te fait mal où? Aujourd'hui, la honte te prend. Tu sors à Mondovision, tu dis, eh oh, si dans le cadre de la santé, il faut faire ça devant ta cour. Salade comme ça, sans vinaigre. C'est dans ta cour qu'on vient danser? C'est dans ta cour qu'on vient danser? C'est chez toi qu'on vient danser, Karine Richard. C'est chez toi. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui, Karine Richaud, pour dire que notre culture est sale? Tu ne connais rien. Tu ne connais rien. Tu es égaré comme ça. Ça fait même pitié. Ça dit que tu es égaré. On sent que tu n'as même pas, tu n'as aucune branche sur laquelle tu t'accroches. Rien. Tu n'as aucune branche sur laquelle tu t'accroches. Voilà pourquoi cette haine-là. Tu as dû tomber de rester dans ton petit salon de Lyon là. Tu as le toupet de rester dans ton petit salon de Lyon là. Et tu parles comment nos chefs dansent le ventre dehors avec le bimboum dehors. Et machin truc. Et un habit peut paraître sale, mais propre. Voilà ces mots. Karine Richaud dit que un habit peut paraître sale, mais propre. Un habit peut paraître sale, mais propre. Vous voyez le vampirisme? Tu as fini de faire les bijoux avec, tu te fais de l'argent. Aujourd'hui, c'est sale. Alors que tu as déjà pris ce tissu-là, tu as fait des bijoux. Tu as fait des bijoux. Avec le tissu bamileke que tu appelles aujourd'hui le tissu sale. C'est avec ça que tu t'es fait de l'argent, ma chère. Pourquoi tu n'as pas pris ce qui vient de chez toi, de ton village, pour faire ces bijoux et vendre? C'est parce que ces tissus avaient une valeur. Tu as compris? Avec ta dent cassée, on dirait le ratoir. Faut pas t'amuser avec les gens. Moi, je vous ai dit. Je vous jure, celui qui touche à ma culture, celui qui touche à ma tribu, je monte sur la personne. Je vais monter sur toi, comme j'ai commencé. Je vous ai dit, je ne m'arrête pas jusqu'à ce que vous changez votre langage.
Tu es zélé. Tu oses. Toujours comme vous dites que vous êtes des oseurs. Comme vous osez là. Comme vous osez. Aujourd'hui, tu viens dire que notre culture est sale. Il faut qu'on donne notre... Si un blanc prend notre culture, il va la dépoussiérer. On est des rétrogradés. Depuis là, tu fais quoi avec nous? Tu fais quoi avec nous depuis? Qu'est-ce que tu fais avec nous, Karine? Karine Richaud, qu'est-ce que tu fais avec nous? Les gens sont sales. Tu es toujours avec eux. Tu es là pour les miettes. Tu es là pour mettre les litis, pour que les gens qui mettaient les habits sales là, pour qu'ils mettent l'argent dedans, imbécile. C'est ça votre combat? Et tu oses même sortir, te justifier, en disant que, non, vu la période de COVID, ce n'est pas de ça que tu parlais. Ce n'est pas de ça que tu parlais. Aujourd'hui, tu veux tourner la langue. Tu aurais mieux fait de sortir et dire que mes frères, vous aviez mal compris, ou bien j'ai mal parlé, vous n'avez pas compris le sens, je m'excuse, rien, tu sors avec tes yeux de la grenouille là, tu veux te justifier? Tu veux justifier ton tribalisme envers nous? Tu veux justifier ton tribalisme envers nous? Nous qui avions le gros ventre. Nous qui dansons avec le ventre dehors. Nous qui dansons avec le ventre dehors. Tu veux justifier cette bêtise que tu fais contre nous. Tu as oublié tous les combattants avec qui tu combats, qui ont le gros ventre là. Que j'entends encore dans ta bouche, tu dis, mon Maxou, mon Maxou, mon Maxou. Tu vas sécher Maxou au feu. Tu vas sécher Maxou au feu. Tu vas sécher Max Seigneur Ivoire au feu. Parce que Max Seigneur Ivoire, il ne va jamais maigrir. Même si vous le trempez dans l'acide. C'est un bantou bien nourri. Il ne va jamais maigrir. Donc quand tu parles même des affaires comme ça, là, tu ne te rends même pas compte de ce que tu dis. Tu ne te rends pas compte de ce que tu dis. Et Bamileke, nous on danse le ventre dehors. Vous n'allez pas faire ce que vos ancêtres, ton ancêtre là même c'est qui? Tu connais même que ton ancêtre c'est qui? Vous aviez de la haine. Vous aviez de la haine parce que nous on est attachés à cette culture. C'est vous. Moi j'ai toujours dit, quand je parle les trucs, je fais attention à ce que je dis. Je fais attention à ce que je dis parce qu'il y a des paroles qui blessent les gens. Tu ne peux pas te lever. Tu dis, si on donne votre culture là à un blanc, il va la dépoussiérer. Les notables dansent avec le ventre dehors. Les notables dansent avec le ventre dehors. C'est veineux. C'est ce que tu as dit, Karine. Que nos notables dansent avec le ventre dehors. C'est veineux. Qui es-tu pour venir? Tu veux venir changer ça aujourd'hui? Qui es-tu? Qui es-tu dans la République du Cameroun? Pour dire que tu vas venir changer ça. Les gens n'ont pas pu le faire. Et c'est pas toi, ta dent cassée là, qui va venir le faire. Parce que même avec le râteau, on ne racle pas partout. Tu as compris? Il y a des endroits que le râteau ne passe pas là-bas. Tu ne peux pas nous engueuler au lieu de sortir. Dis que vraiment, mes frères, je m'excuse. Si la parole là vous a offensé, ce n'est pas ce que je voulais dire. Non. Tu sors aujourd'hui, tu tournes ça comme ça. Non, il faut qu'elle sache. Il faut qu'elle sache. Et elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. On ne vient pas danser dans la cour des gens. Quelqu'un est venu danser dans ta cour. Aujourd'hui, tu viens tourner, tu viens faire de ça l'affaire de santé.
Tu viens tourner, tu fais de ça l'affaire de santé. Dubois Jules, moi je ne suis pas pour les affaires de Paul Biya. Je dois être clair ici. Je ne suis pas dans les affaires ici que Paul Biya ou qui que ce soit. Je dis et je redis que quoi qu'on fasse, on ne doit pas juger la culture des autres. Quoi qu'on fasse, on ne peut pas juger la culture des autres. Chacun de nous a sa culture. Et même ici, là où je vis, il y a une culture ici. Ne jugez pas avec vos yeux la culture des autres. Je ne suis pas dans les affaires que ou Paul Biya ou Kamto. Non, ce n'est pas une affaire politique. C'est le tribalisme. Quand tu t'assois sur une chaise, tu commences à définir, à insulter les gens de par leur culture, de par leur façon de s'habiller. Qui es-tu pour le faire? Qui es-tu pour le faire? Nous sommes tous des Camerounais, nous sommes tous des Bantous, mais chacun de nous a sa culture. Alors si tu te mets à Mondovision, tu dis que ma culture est sale. Oh, la malédiction de ça. Tu es une fille maudite. Je vous jure que, je vous ai dit, regardez bien ces gens-là qui sont dans le tribalisme. Parce que si tu n'as pas, si tu n'as pas un serpent dans ton cœur qui te ronge, comment tu peux laisser ton combat pour te concentrer sur une tribu? Comment peux-tu laisser ton combat pour te concentrer sur une tribu jusqu'à elle dire que si on parle du combat, il faut que c'est la révolution du Cameroun. Tu vas faire la révolution sur la culture de qui? Mbap. Tu vas faire la révolution sur la culture de qui? Mbap. Après avoir utilisé tout ce qui sort de l'Ouest pour faire tes bijoux, tu vends, tu as de l'argent. Aujourd'hui, tu trouves que c'est sale. Aujourd'hui, tu trouves que c'est sale. Et si je dis là que tu es imbécile, tu vas dire que non, tu n'es pas imbécile. Parce que tu l'es. Vu ton niveau, le français qui sort de ta bouche, c'est la conjugaison de ça que vous voulez voir. C'est les passés composés, les passés simples de ça que vous voulez entendre dans la matinée. Après, vrrr, et tourne, et swing, pang, les bamileke. Et vous voulez qu'on se taise? Et vous voulez qu'on se taise? Non. Je vous ai dit, laissez les bamileke tranquilles dans vos guerres. Laissez-nous tranquilles. Attendez, Karim Richaud, attends quand je viendrai prendre ce qui sort de ton village pour faire un bijou. Je mets sur moi. Là, tu changes même mon nom. Parce que ce tissu-là, aujourd'hui, que tu insultes, tu as fait de l'argent avec. Tu t'es fait les sous avec. Aujourd'hui, tu te fais les sous avec ce qui vient de ma culture. Et tu te mets à Mondovision. Tu dis que ma culture est sale. Tu as le courage de dire que ma culture est sale. Qui es-tu? Personne. Tu crois que c'est toi qui vas changer la culture bamileke aujourd'hui? Tu penses que tu vas changer la culture bamileke? Toi, la petite Karine là, parce que tu es entrée dans un machin de combat, sans le combat là, c'est que tu es où? Qui te connaît? Qui te voit? Qui pouvait même te voir? Qui pouvait même te voir? Tu as utilisé nos choses pour faire tes bijoux, tu vends. Maintenant tes poches sont déjà pleines. Tu sors dire que nos chefs dansent avec le ventre dehors et c'est veineux. Nous avions le ventre. Et toi qui n'as pas le ventre, tu fais comment? Je vous ai dit, hein? Je vous ai dit. Quand vous faites vos bêtises là,
Laissez les tribus des gens à côté. Je vous ai toujours dit ça. Quand vous êtes dans un combat, évitez de mettre une tribu là-dedans. Parce que quand vous combattez, c'est pour tout un pays. Pour un pays, tout le pays, pour tout le monde. C'est-à-dire que vous arrangez quand ça vous plaît, quand ça va à votre avantage et quand vous êtes déjà suffisamment bien posé, hein? Vous venez dire que leur culture est sale. Il faut dépoussiérer. On peut faire, ça peut paraître sale, pourtant c'est propre. C'est toi qui vas nous dire ça. Ce que tu as pris pour fabriquer les bijoux là, tu as lavé. Tu as lavé. Ce qui est sur, ce que tu mets sur ta tête là, tu as lavé ça. Quand les gens sont tranquilles, laissez-les tranquilles là où ils sont. Alors, Karine, tu fermes ta bouche. Continue ton combat. Tu fermes ta bouche. Tu n'avais pas à venir dire que tu... Il fallait t'excuser. Parce qu'on t'a fait, on t'a bien fait. Tu as bien compris que tu as énervé les gens. Ça te coûtait quoi? Toujours dans l'orgueil. Vouloir vous justifier. Vouloir vous justifier. Ça te coûtait quoi, Karine Richaud, de sortir et dire que... Vraiment, si vous aviez mal compris, ce n'est pas de ça que je parlais. Non, c'est pas de ça que je parlais, non, tu ne dis pas ça, tu sors, tu dis, que le Covid, tu parles, il fallait parler que du Covid, imbécile. Au lieu de parler du Covid, tu viens parler de mes chefs qui dansent le ventre nu, ça a quoi à voir avec le combat? Ça a quoi à voir avec le combat? Ils ont le ventre, et puis quoi? Tous les jours, tu es là, mon Maxou, mon Maxou, mon Maxou. Tu vas mettre Maxou dans quel acide pour qu'il devienne le jar de Bamileke que tu as dans ta tête. Là. Tu vas mettre les gens comme Maxou là dans quel jar de cidre pour qu'il devienne le jar de Bamileke que tu as dans ton, ton sale cerveau là. Merde. C'est vous qui faites que les gens sortent la bouche sur vous. Faites vos choses. Ma culture, vous la laissez tranquille. Le tribalisme n'a pas place chez nous. Le tribalisme n'a pas place chez nous. Quand tu ouvres déjà ta bouche pour dire que les habits que mes chefs portent sont sales, que mes chefs dansent avec le ventre dehors et c'est veineux, alors que c'est depuis des siècles. C'est depuis des siècles que ça se passe. Ça veut dire que tu as une haine en toi. Et voilà ça qui est sorti. C'est ça qui est sorti. Tu n'es pas là parce que tu aimes les Camerounais, non. Non. Tu n'es pas là parce que tu nous aimes, non. Je le dis parce que tu n'as pas de culture. Voilà pourquoi tu te plains beaucoup. Tu es une égarée, ça se voit. Tu n'as pas une culture à laquelle tu, tu es attaché. Ça se sent. Ça se sent. Voilà pourquoi tu as de la haine. De savoir que il y a des villageoises comme moi là qui ont encore leur culture, que ça les fait proud. Je t'ai dit, pour ton information, la salope de Karine. Ici, je dis ici au palais. Ici au palais, l'affaire que tu appelles sale là, c'est ici au palais. Et on a bien spécifié, hein. Bamileke West Cameroun. Bamileke Culture West Cameroun. Tu as compris? Je dis que le tissu que toi, Karine, Richon Bam 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 là, que tu dis que le tissu là est sale aujourd'hui là. Il y a ça ici au palais. Et c'est bien spécifié. Cameroun Culture. Bamileke Cameroun Culture. C'est là. Louis Vuitton a pris ça pour faire une marque. Tu n'as pas vu? Tu n'as pas vu? Tu n'as pas vu? Tu n'as pas vu que votre grand, votre grand couturier a pris ça pour faire une marque? Une ovation? Nan douture for you? Nan balourde for your head? Tu dis, regarde, coach ma people. Regarde, coach ma people.
You'll be who come on? Today they want to talk, they talk. How much you do you talk? 200 people they hear you. You mean by saying you be queen? Who kind of queen? You can't talk for my people. You can't talk for my people, you decrease. C'est tu es malade dans ta tête. Faites votre combat, laissez ma tribu en dehors de ça. Faites votre combat et laissez ma tribu hors de ça, je vous le dis. Je vous le dis. Donc laissez, je parle de ce qui me concerne. Je ne parle pas des autres. Je parle de ce qui me concerne. Je parle de ma culture, la culture Bamileke. Je parle de ma tribu, la tribu Bamileke. Que les gens comme Karine Richaud se mettent à Mondo Vision pour dire que mes chefs dansent avec le ventre dehors, c'est veineux. Nous, on voit tes dents cassées là tous les jours, c'est veineux, merde. Tu nous montes tes dents pourries là tous les jours, c'est veineux. Regarde ma dentition, toi. Regarde ma dentition. Quand tu nous montes tes dents pourries là, tu crois qu'on a envie de voir ça? C'est le message que tu ventiles qui est important pour nous. Ce ne sont pas tes dents cassées. Ce ne sont pas tes dents cassées qui sont importants pour nous. C'est le message que tu ventiles qui est important pour nous. Alors si aujourd'hui, Karine Richaud, tu oublies ce côté-là. Tu ne vois que le ventre de mes chefs qui sont dehors. Tu ne vois que l'habit que mes chefs mettent, que l'habit là est sale. Ça veut dire que tu as un problème, un très grand problème. Parce que quand tu ouvres ta dent cassée là tous les jours pour nous parler, nous on reste, on t'écoute. On ne t'écoute pas parce que ta bouche a une bonne haleine. Dieu seul sait comment une bouche avec une dent cassée peut sentir. Merde! Arrêtez ça. Arrêtez ça. Je vous ai dit arrêtez. Faites votre combat. Vous êtes en combat avec des gens, avec la République, mais pas avec les Bamileke. Pas avec les Bamileke. Et vous n'allez pas changer notre culture aujourd'hui. Beaucoup de gens l'ont fait. Ont voulu le faire. Ça n'a pas marché. Parce que cette culture-là, c'est notre culture à nous. Que nos chefs dansent avec le ventre dehors, ça n'engage que nous. Que nos chefs ont les gros ventres, ça n'engage que nous. Et tous les jours, tu es là, mon Maxou, tu as vu le ventre de Maxou? Tu as vu le ventre de Max Seigneur Ivoire? Max Seigneur Ivoire, c'est un bantou bien fait, bien nourri. Donc si tu mets Max Seigneur Ivoire dans l'acide, il ne va pas devenir le genre de Bamileke que tu penses dans ta grosse tête là. Au lieu de sortir t'excuser, tu viens sortir les yeux de la grenouille pour essayer de nous dissuader. Moi je vous ai dit, depuis je ne parle, mais je vous ai dit, je vous jure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui là, et tu continues, ça va être comme ça. Ça va être comme ça. Vous êtes plus Bamileke que les qui. Ça n'engage que toi. Nathalie, tu n'es pas obligée. Tu n'es pas obligée. Laisse-moi parler pour moi. Tu as compris? Nathalie Nat, laisse-moi parler pour tout, pour moi. Tu ne veux pas parler, ça n'engage que toi. On ne peut pas insulter mon chef qui danse le ventre dehors. Je me tais, imbécile. Toi, c'est qui? Bande des égarés. C'est vous là. Tu peux pas dire que mes chefs ont les bidoux. Machin truc, c'est sale, c'est veineux. Et tu viens ouvrir ta sale bouche ici pour me dire que vous êtes plus Bamileke que les qui? Vous êtes plus Bamileke que les qui?
Moi, je ne vous gère pas. Hein. Je vous ai dit. Les gens qui ont les faux profils là, vous venez parler ici. J'ai dit, dites à votre dent cassée, Karine Richaud, quand tu ouvres ta sale bouche avec ta dent cassée, nous on reste, on t'écoute. Parce que c'est le message que tu envoies qui est important. Nous on ne se rend même pas compte que ta dentition est pourrie. Karine Richaud, quand nous on t'écoute, on ne se rend même pas compte que ta dentition est pourrie. Alors fais aussi pareil de voir nos chefs. Et ne te concentre pas sur le ventre. Concentre-toi sur ce que nos chefs font. Tu n'as aucun droit de nous juger. Tu n'as aucun droit, Karine Richaud, de nous juger. Tu n'as aucun droit. Je suis Bamileke. J'ai les chefs chez moi. Nous, on a des chefs. Qui danse avec le ventre dehors. Et si tu vois en ça un mal, ça veut dire que tu as un problème. Donc comme tu les insultes avec le ventre là, parce que tu les as insultés, moi je t'insulte Karine, parce que tu les as insultés. Quand tu dis qu'ils montrent le gros budum dehors, comme si c'était ma... Tu les insultes, tu crois que moi je veux me taire? Non, je suis désolé. Je suis désolé. Donc, c'est mon problème. C'est mon problème à moi. Donc, ça s'arrête là. Continuer à la supporter dans la bêtise, ça ne s'arrête pas. Qu'elle reste dans son combat. Qu'elle reste dans son combat, qu'elle n'insulte pas mes chefs, qu'elle n'insulte pas mes notables, qu'elle reste dans son combat. Moi, je n'irai jamais insulter les chefs de chez elle, jamais de la vie. Parce que chez nous, tout chef est chef. Tout chef est chef. Que ce soit le chef Bakwiri, c'est un chef. Que ce soit le chef Boulou, c'est un chef. Il est à respecter. Je ne peux pas me mettre ici à dire que la culture des autres, c'est comme ça. La culture des machins, c'est comme ça. Non. Non. Ils dansent le ventre dehors, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'ils dansent le ventre dehors. Et tu as même précisé. Parce que quand tu parles, Karine, tu ne comprends. Il faut comprendre ce que tu dis. Que heureusement qu'avant, il n'y avait pas la caméra. Ça dit que tellement c'est si moche que... Non. Je suis désolé. Hein? Je suis désolé, Agnès Lendi. Je m'en fous de ce que vous allez dire. Parce qu'elle a bien précisé que... Heureusement qu'il n'y avait pas la caméra. Elle veut dire quoi? Elle veut dire... Agnès Lendi, elle dit qu'avant il n'y avait pas la caméra. Elle veut dire quoi? Elle veut dire quoi? Avant il n'y avait pas la caméra. Donc arrêtez de venir m'énerver ici. Avant, il n'y avait pas la caméra. Aujourd'hui, qu'il y a la caméra, il faut qu'on cache notre ventre. C'est ce qu'elle veut dire. Vous croyez que vous parlez à de qui? Vous parlez en français et nous, on réfléchit en village. Parce que pour bien réfléchir, si tu ne peux pas réfléchir d'abord en ton propre village, en ta propre langue, avant de réfléchir en français, tu es égaré. Voilà la personne que Karine est. Elle devrait d'abord réfléchir un peu en patois avant de sortir ces mots-là en français. Elle devrait d'abord réfléchir comme une bombe bantoue avant de sortir les mots-là en français. Madame, tu dois sortir de cette lutte. Je te dis, Agnès Lendi, je ne discute pas, ma chérie. Celui qui s'attaque là, comme vous êtes là, vous supportez qu'on insulte les chefs des gens dans le sia-sia, comme disait Lapiro, les nuances de français, les nuances de mots. Vous supportez bien ça? Alors moi, je ne laisse pas. Je ne laisse pas. Je ne laisse pas. Parce que quand il a fallu qu'elle prenne les tissus,
Les tissus qu'elle dit aujourd'hui que c'est sale. Quand il a fallu qu'elle prenne ça pour faire les bijoux et vendre, ce n'était pas sale. Ce n'était pas sale. Pourquoi elle n'a pas pris un tissu de son village pour faire les bijoux et vendre? Pourquoi elle n'a pas pris les tissus de son village pour faire les bijoux et vendre? Vous venez me parler de quoi? Et aujourd'hui, elle dit que c'est sale. Je ne suis pas ici pour l'affaire de Paul Biya ou pour l'affaire de Maurice Kamto. Je m'en fous. J'ai ma tradition. La politique passe. La tribu reste. La coutume reste et la culture reste. La politique passe. La culture reste. Les coutumes restent et la tribu reste. Allez vous faire foutre avec vos politiques. Ma culture va rester. Il y aura 100 Paul Biya au Cameroun. Ma culture va rester la même. Vous avez compris? Donc je ne suis pas ici pour une affaire de Paul Biya ou bien pour une affaire de Maurice Kamto. Non. Parce que même Paul Biya, il a sa culture à lui. Il a sa culture à lui. Il a sa tradition. Ils ont leur tradition à eux aussi. Oui. Alors ne venez pas jouer, ne venez pas faire semblant ici. Quand on boycotte les chefs, on les donne la leçon. Ça ne veut pas dire que on doit insulter ma tribu, ma culture. C'est le message que je suis en train de vous dire. Laissez ma culture tranquille. Laissez ma tribu tranquille. Mes chefs dansent avec le ventre dehors. Ça n'engage que nous. Non. Ce n'est pas de ma faute. Si vous n'êtes pas attaché à une culture, je suis désolé. Ce n'est pas de ma faute si vous n'êtes pas attaché. Moi, j'ai dit Karine Bibiane, Karine Richaud, quand tu venais en Europe, là, tu as pris ton cordon ombilical, tu as mis dans le verre, tu as pris l'avion avec. C'est pour ça que tu ne penses même pas un peu. Quand il faut parler des trucs de tribu, de coutume, de culture. Parce que tu as pris ton cordon, tu es venu à Paris avec. Le mien est encore sous le bananier. Mon cordon ombilical est encore sous le bananier depuis 50 ans. Ça pousse, on coupe, l'autre monte, on coupe, on ne fait que replanter, on ne fait que replanter. C'est toujours là. Le mien est là-bas au village. Je ne suis pas là. Tu me parles, on t'a dit, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai 140 vieux. On fait quoi avec les vieux? Ça donne l'argent? Ça donne l'argent? Si ça donnait l'argent, c'est que Karine est riche. Si ça donnait l'argent, c'est que Karine est riche. C'est qu'elle est riche. Je dis que si ça donnait l'argent, c'est que tous ces gens-là, c'est qu'ils ont de l'argent. C'est qu'ils ont de l'argent. On ne se framponne pas sur les futilités. C'est important que les gens sachent que ils ne doivent pas sortir du combat et entrer dans les affaires de culture des tribus. Parce que si vous dites que vous faites la révolution au Cameroun, ce n'est pas pour changer la culture des gens. Non. Parce que même ici, on n'arrive pas à changer la culture des gens. On n'arrive pas à changer la culture des gens. Tu ne peux pas changer la culture des gens. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas changer la culture des gens. Je suis désolé. Les gens ont leur culture et vous ne pouviez jamais la changer. Vous ne pouviez jamais la changer. Moi,
je n'ai jamais parlé de Karine, jamais de ma vie. Mais j'ai dit, tant que vous êtes toujours dans le... C'est-à-dire que vous faites quelque chose bien, et pour finir, oh, si un blanc prend votre culture, là, il va la dépoussiérer. Si un blanc prend votre culture, là, il va la dépoussiérer. Comptez-vous vous comporter comme vous... Attendez. Non. Micheline Tchatchoua, je ne veux pas entendre ça. Je ne suis pas là pour comprendre le français. Elle est sortie, vous faites comme ça là. Je ne suis pas là-dedans. Aujourd'hui, elle pouvait sortir et dire que... Mes frères, je m'excuse si je vous ai offensé. Si mes mots vous ont offensé. Mais elle est sortie aujourd'hui, elle dit... Oh, le COVID, c'est à cause de la santé. Le COVID est monté pour les raisons de santé au Cameroun. Ce n'est pas de ça que Karine a parlé. Ce n'est pas de ça que Karine a parlé. Parce que Karine parle tous les jours, nous on l'écoute. Je ne parle pas pour rien. Je suis désolé. Si vous êtes de ceux-là qui ne... C'est-à-dire que même si vous aimez... C'est-à-dire que vous aimez quelqu'un, même quand il fait quelque chose qui n'est pas bon, vous n'êtes pas à mesure de lui dire que non, ce que tu as dit là, ce n'est pas bon. Elle est qui pour dire que le blanc va dépoussiérer la culture, notre culture là? Elle est qui? Ce n'est plus le combat. Ce n'est plus le combat pour dire qu'on va dépoussiérer la culture de quelqu'un. Ce n'est plus le combat. Je suis désolé, Tchatchoua, non. Et nos chefs qui dansent le ventre dehors, heureusement qu'il n'y avait pas la caméra. Donc aujourd'hui, comme il y a la caméra, il faut qu'on cache nos ventres. Vous voulez me faire comprendre quoi? Vous voulez me faire comprendre quoi? Non. Non. Je suis désolé. Je suis désolé. Il faut qu'elle arrête. Il faut qu'elle arrête. Qu'elle fasse son combat. Ce que nous, on met et qui est sale, ça n'engage que nous. Ce que les Bamilékés mettent et que c'est sale, ça n'engage que nous. Ça n'engage que nous, les Bamilékés. Notre tissu là est sale. Evelyne Tchatchoua, tu parles de quoi? Quelque chose peut paraître sale, mais propre. Evelyne Tchatchoua, quelque chose peut paraître sale, mais propre. Pourquoi elle n'a pas dit ça à Louis Vuitton quand il a pris le tissu là pour aller faire la marque? Pourquoi elle n'a pas dit ça? Pourquoi elle n'a pas dit ça? Je ne suis pas une frustrée Bamiléké, hein. Je suis une Bamiléké que quand quelqu'un tente mal, je lui dis ça, même si c'est mon vrai ami. Je dis même si c'est mon vrai ami. Vous avez compris? Si Karine arrête, on arrête. Si Karine arrête, on arrête. On danse avec le ventre dehors. Oui, c'est veineux. On danse avec le ventre dehors. Écris là-bas, finis là-bas. Avec tes gros yeux de la grenouille, la Karine. Mets là-bas que vous dansez avec le ventre dehors, c'est veineux. Écris. Comme tu trouves qu'il n'y a rien de mauvais dans ça. Vous dansez avec le ventre dehors, c'est veineux. Écris là-bas, imbécile. Comme tu trouves qu'il n'y a rien de mauvais dans ça. Vous dansez avec le ventre dehors, c'est veineux. Elle est qui pour dire que c'est veineux? Elle est qui pour dire que nos chefs dansent avec le ventre dehors et c'est veineux? Vous supportez même quoi? Les gens comme toi là, Patou, je ne discute pas avec toi. Hein. Je suis frustré, oui. Oui, je deviens aigri. C'est les ratés comme toi là. C'est les gens comme toi là, partout. Les égarés. Les gens qui n'ont pas de culture. Qui ne savent même pas à quoi s'attacher au Cameroun. C'est les gens comme toi là, partout. C'est les gens comme toi là qui viennent dire ici que je suis haineuse. C'est les gens comme toi là. On t'a dit que je ne sais pas où je sors. On t'a dit que je ne sors pas où je ne sais pas où je viens. On t'a dit que je ne sais pas où je viens. J'attache ma ceinture pour Karine par rapport à quoi?
Si elle n'avait pas dit ça, je ne serais pas en train d'appeler son nom. Et j'ai avisé depuis que moi, je ne suis pas dans vos choses. Mais laissez les tribus tranquilles. Laissez les tribus des gens tranquilles en dehors du combat. C'est de ça qu'il est question. Laissez la tribu des gens en dehors du combat. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous allez venir ici dire ce que vous voulez, mais vous connaissez que c'est la réalité. Parce que si on commençait à entrer dans les affaires des tribus des gens au Cameroun, qui est propre, qui n'est pas propre, qui est sale, vous croyez que c'est ça qui va changer le Cameroun? J'insulte Karine parce qu'elle a dit que mes chefs dansent le ventre dehors et c'est veineux. Agnès Lendi, tu as compris? Elle a dit que mes notables dansent avec le ventre dehors et c'est veineux. Tu as compris, Agnès? Voilà pourquoi je l'insulte. Donc, quand nous on s'assoit pour l'écouter avec sa dent cassée, on est conscient qu'elle a une dent cassée, mais ça ne nous empêche pas de l'écouter parce que c'est son message qui est important. On l'écoute parce que c'est son message qui est important. Le retour de quoi? On s'en fout. Qu'elle va dire quoi? Qu'elle dise. Elle est sortie aujourd'hui, non? Faire les gros yeux de la grenouille et dit qu'elle parle du Covid. Ce n'est pas du Covid qu'elle parlait. Ce n'est pas du Covid qu'elle parlait. Qu'elle parle des problèmes de la santé. C'est devant sa porte qu'on est venu danser. C'est devant sa porte qu'on est venu danser. C'est devant ta porte qu'on est venu danser, je demande. Oublions même le côté là. Qu'on est venu danser, on a fait en l'air. Oui, ce n'est pas bon de danser et faire en l'air en temps de Covid. Ça a quoi à voir avec le ventre des chefs? Qu'est-ce que vous acceptez? Danser et cracher en l'air a quoi à voir avec le ventre de nos chefs? Ça a quoi à voir avec le ventre de nos chefs? Non, je vous demande. Ça a quoi à voir avec le ventre de nos chefs? Partout, Malone, je m'en fous. Hein. Si tu me manques du respect, tu ne seras pas le premier. Tu ne seras pas le premier. Je t'ai dit, écris là. On danse, on met le ventre dehors, c'est veineux. Vous allez voir, non? C'est-à-dire que ce n'est pas la blague. Si vous ne laissez pas les affaires de tribu en dehors du combat, si. Vous ne laissez pas les affaires de culture des gens en dehors du combat, c'est que vous ne combattez pas. Vous ne pouviez pas être en train de combattre un gouvernement et de surcroît, vous mettez une tribu là-dedans. Les chefs qui dansent, on voit leur ventre, c'est veineux. Nous, chefs dansent, on voit leur ventre, c'est veineux. Parce que c'est ça le mot. Nous, on danse, on voit le ventre, c'est veineux. Qui est-elle pour dire que une tribu danse avec le ventre dehors et c'est veineux? Et croit qu'on va changer ça? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et le tissu qu'elle dit qui est sale là, elle a déjà fait les machins avec, elle a vendu. Qu'elle prend là, elle rembourse l'argent aux gens. Quand elle prenait le tissu là pour faire les bijoux et vendre, elle n'a pas su que c'était le tissu sale. Elle a lavé avant de faire avec. Tu prends les tissus des gens, tu fais les bijoux. C'est-à-dire que tu prends les tissus là toi-même, tu ne laves pas. Tu fais les bijoux, tu vends aux gens. Aujourd'hui, tu es la première à venir dire que le blanc va dépoussiérer. Si votre grand couturier n'a pas changé la forme de ce tissu-là, c'est toi, Karine, qui va changer. Si votre grand couturier a pris ce tissu-là et a fait des habits que il faut être... C'est-à-dire que le vrai double-là pour porter en tant que blanc, pour acheter chez votre couturier-là, il faut être riche. Restez dans votre combat. Il y a un combat contre un régime. Ce n'est pas une affaire de tribu. Non, 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 non. Non. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça.
Arrêtez ça. Moi, si Karine dit n'importe, je vous dis que Karine a engueulé mes chefs. Karine a dit que mes chefs dansaient avec le ventre dehors et c'est veineux. Et c'est veineux. Et que pour nous, là, quelque chose peut paraître sale, mais c'est propre. Mais pour vous, là, c'est de la saleté. Et vous, là, vous croyez que quoi? Les Evelyne Chantois, elles viennent ici me dire que non, tu as mal compris. Qu'est-ce qu'il y a de mal comprendre dans ça? Que quelqu'un te dise que la bille que ton père met là, il faut que dorénavant, ça paraisse sale, mais propre. Evelyne, tu viens parler de quoi? Evelyne Chantois, tu viens me parler de quoi? Que quelqu'un te dise que la bille que ton père met pour sortir, c'est la saleté. Et se base de quoi pour dire que l'habit que ton père porte est de la saleté? Personne n'a le droit de dire ça. C'est notre tribu à nous. Et si vous faites semblant, ça n'engage que vous. Et si vous voulez qu'on mélange les affaires de tribu dans ce combat, ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas d'accord qu'on mette la culture bien la tribu des gens. Non, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas là. Et voit seulement leur ventre. La bille là est sale. Oh, vraiment de Dieu. C'est de la saleté. Et les gens viennent même soutenir. Ayez la descendante, c'est la descendance ou c'est quoi, de dire à vos gens que non, tu as parlé, mais ici, là, tu as fucked up. Voilà ma position depuis que je suis dans ce combat. Quand Calibri fait ce qui est mauvais, je lui dis. Quand Max fait, je lui dis. Quand l'autre fait, je lui dis. Quand Kamoa fait, je lui dis que papa, ce n'est pas bien. Non, parce que je ne suis pas là pour faire plaisir à Jean, ou bien à Paul, ou bien à Colette. Non. Soyez honnête de dire que tu as dit ça, ce n'est pas bon. Tu ne peux pas dire que l'habit que mon père porte pour aller danser à la place de la fête, le chef, que c'est un habit sale, que c'est de la saleté. Et vous dites que je dois me taire. Vous dites que je dois me taire. Non, je suis désolé. Je ne peux pas me taire. Non, mais pourquoi je ne peux pas critiquer la culture et quand? Je suis désolée. Mais si vous attendez ça de moi, jamais de la vie. Parce que je ne peux pas changer le peuple et quand. Ils ont leur culture à eux. La culture de leurs ancêtres. Je ne dois jamais parler, je ne dois pas me moquer de leur culture. Je suis désolée. Ils ont grandi dedans. Qui suis-je aujourd'hui pour dire que ce que les écans font là, c'est sale? Qui suis-je? Qui suis-je pour dire que ce que les Bassins font, c'est sale? Qui suis-je pour dire que la culture des Bakweri, c'est sale? Qui suis-je? Non, je ne suis pas placé pour ça. Je ne suis pas là pour ça. Toute culture chez nous a une importance. Toute culture chez nous. Celui qui vient dire ici que l'école est bien là, c'est l'école là qui vous tue. C'est-à-dire que tu sors, tu oublies même que tu sors de quelque part où il y a une culture. Tu te comportes comme les gens là qui sont en Europe. Ils ne savent pas s'ils viennent de l'Afrique, s'ils viennent de l'Océanie, s'ils viennent des États-Unis, s'ils viennent d'où. Parce que tu es égaré. Les Kamto là, c'est vous, Kamto là, machin là. Tu es un égaré. C'est pour ça que vous dites ça. Non, je suis désolé. Luttons contre le régime. Luttons contre le régime. Luttons contre le régime. Laissez la culture des gens tranquille. Laissons la culture des gens au milieu du combat.
Quelqu'un dit, tu as eu 140 voix parce que tu as parlé de Karine. Je n'aime pas crier. Je n'aime pas crier. Et je n'ai pas trop du temps pour le live. Mais il a fallu que je fasse ce live pour dire à Karine que non. Que non, c'est pas normal. Qu'elle engueule mes chefs. Parce qu'elle les a insultés. Qu'avec le gros ventre. Heureusement, il n'y avait même pas de caméra avant. Ah, mais heureusement, il n'y avait même pas de caméra avant. Oh là là, c'est veineux. Ta dent cassée que nous on voit tous les jours là, c'est veineux ma chérie. Mais on regarde. Parce que c'est le message que tu nous envoies qui est important. Ce n'est pas ta dent qui est cassée. Il faut seulement voir ce que nous, nos chefs font. Regarde ce que nos notables font. Ne regarde pas leur ventre. Ne regarde pas le ventre. Parce qu'aujourd'hui, si tu me fais comprendre que tu vas envoyer un blanc dépoussiérer notre culture. Et vous avez dit, hein? Les cancres fumés illettrés là, à nos dévoyavoya, Calibri, c'est pour vous là-bas. Je ne suis pas ici pour ça. Je suis ici pour dire que le combat, ce n'est pas la culture des gens. Ce n'est pas la tribu des gens. Non. Non, non, non. Non. Moi, j'ai un chef chez moi. Si je parle d'un chef Ekan aujourd'hui, ça veut dire que j'ai parlé de tous les chefs Ekan. Tous, qu'un chef soit sardinard ou tontinard, c'est ton chef. Tu ne veux pas, tu changes de village. Des imbéciles comme ça. Bref, j'ai fini. Moi, je n'allais même pas parler. Parce que si Karine sortait aujourd'hui, elle disait... Vraiment, je m'excuse. Je ne savais pas que c'est comme ça que vous allez comprendre ce message-là. Voilà. Voilà que si tu parles, tu vois que peut-être ça a un peu blessé les gens. Tu sors, tu dis que non, vraiment. Je m'excuse si c'est comme ça que vous aviez compris ça. Non, mais elle n'est pas sortie. Elle a dit comme ça. Elle a tourné ça dans le centre que machin truc. Il y a eu cela, la maladie. Ce n'est pas de ça que tu parlais avant. Donc, laissez ça tranquille. Faites votre combat. Et vous me laissez. Laissez nos chefs tranquilles. Laissez nos chefs danser avec leur ventre. Votre combat n'a pas encore changé le Cameroun. Donc, je ne crois pas que c'est notre culture que le combat là va changer. Je ne crois pas que c'est le combat là qui va changer notre culture. Je ne crois pas. Donc, laissez. Si vous voulez continuer dans le tribalisme et faire que des personnes se sentent mal, ça n'engage que vous. Sur 10 Bamileki, il y a 3 qui vont accepter ce que Karine a dit et 7 ne vont pas accepter. Sur ce que Karine a dit, il y a 3 qui vont accepter. Mais 7 vont lui dire que non, vraiment, tu as mal parlé ici. Tu n'es plus dans le combat, c'est toi qui m'avais demandé de me lever. Je demande ton avis. Vous êtes toujours là avec les faux profils. C'est pour ça que quand vous parlez là, vous dites même que ouvrez machin truc là. Vous êtes des faux profils. Elle ne s'excuse pas, ça n'engage que elle. Elle ne peut même pas s'excuser. Elle ne peut pas. Parce qu'elle est orgueilleuse. Elle est orgueilleuse. Elle ne peut pas s'excuser. C'est son orgueil. Elle a l'orgueil dans elle. Elle a l'orgueil dans elle. C'est comme ça.
Non, je suis d'accord avec toi, Patou, même si on est à 10, 9 vont accepter et 2 et 1 va dire qu'il n'est pas d'accord. Ça ne veut pas dire que si les 9 ont dit qu'ils sont d'accord, la seule personne qui dit qu'il n'est pas d'accord ne doit pas parler. Mais vous êtes malade, si vous tous vous êtes d'accord de la parole de Karine, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Donc vous voulez que tout le monde soit d'accord avec vous? Vous voulez que tout le monde soit d'accord avec vous? Je suis désolé. Donc, reste, si c'est que c'est la ligne qu'elle veut prendre, ça n'engage que elle. C'est son macabo. Mais qu'elle l'insulte. Qu'elle sorte encore. Les chefs de l'Ouest dansent le ventre dehors. Oui. Mais c'est veineux. Quand on dit que c'est veineux, c'est là où le problème vient. Les chefs de l'Ouest dansent le ventre dehors. Quand on dit que c'est veineux, c'est là où le problème vient. C'est-à-dire que les chefs de l'Ouest peuvent mettre leur habit là. Ça paraît sale, mais propre. Ça, c'est de la saleté. Elle a bien dit. Elle a bien dit. Donc, j'ai compris ça comme j'ai compris. Et en passant, ce n'est pas le français. Quand on parle de culture, ce n'est pas le français. Et quand vous n'êtes pas attaché à votre culture, vous ne pouvez pas comprendre ce que ça fait. Je vous comprends aussi dans ce sens-là. Je vous comprends aussi dans ce sens. Parce que si tu ne connais pas ta culture, on ne peut pas te dire que ta culture a de la poussière. Tu crois que c'est normal. On te dit que ta culture est sale. Tu acceptes. On te dit que tes chefs mettent l'habit qui est sale. Tes chefs sont sales. Tu trouves que c'est normal. On te dit que si ton chef danse avec le ventre dehors, comme on l'a toujours fait, c'est veineux. Attendez. Arrêtez ça. Arrêtez ça.